Et ceux qui sont dépassés par les épreuves, toutes celles et ceux qui sont dépassés par les soucis, toutes celles et ceux qui sont dépassés par le stress, toutes celles et ceux qui sentent qu'ils ne pourront plus s'en sortir, pour toutes celles et ceux qui se sentent impuissants parce qu'il y a un accumul d'épreuves et ils sentent que même les gens autour d'eux sont impuissants, même les personnes qui les aiment se sentent impuissantes parce qu'ils ne peuvent pas l'aider. Dieu veut qu'à ce moment-là, la personne comprenne que lorsque toutes les portes se ferment autour de toi, la porte devant, la porte à ta droite, la porte à ta gauche, la porte derrière toi, il restera bi'idhnillah toujours une porte qui restera ouverte et qui est au-dessus de toi et qui n'est autre que وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. C'est comme si Dieu veut, quand tu ressens d'énormes épreuves, que tu te souviennes que quand personne ne pourrait rien pour toi et quand les gens t'abandonneront bon gré ou mal gré, eh bien il y a Allah, lui l'unique, qui lui ne t'abandonnera jamais si toi tu n'as pas abandonné ce que Dieu veut de toi. Si toi tu n'as pas abandonné at-tawakkul 'ala Allah, la confiance en Dieu. Si toi tu n'as pas abandonné le fait de reconnaître que c'est Allah qui crée, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui accorde la subsistance, c'est Allah qui gère les vents, c'est Allah qui gère les pluies, c'est Allah Azza wa Jal qui gère les tornades, c'est Allah qui gère les tremblements de terre, c'est Allah qui gère les océans, c'est Allah qui donne la subsistance à toutes ses créatures, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la vie, c'est Allah qui t'a donné la mort, et c'est vers lui que tu reviendras. Et quand Allah Azza wa Jal décide quoi que ce soit, il dit kun fayakun, sois et c'est. À ce moment-là, wallahi wa rabbil Kaaba, si tu lèves tes mains vers le ciel et tu dis Ya Rab, comme la plupart des êtres humains sont tentés à dire et sont poussés à dire bon gré mal gré, même pour la plupart quand ils ne croient pas en Dieu, lors des épreuves et quand ils sentent que plus personne ne peut les aider, eh bien ils sont tentés à lever la tête vers le ciel et dire oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que cette nature saine qu'il y a en eux, eh bien les pousse à reconnaître que celui qui est élevé, celui qui est au-dessus de nous, eh bien il y aura toujours quelqu'un qui est plus au-dessus et qui est plus élevé et qui est au-dessus de toutes choses et toutes ces créatures, Allah. Et quand plus personne ne peut rien pour toi, il reste Allah.